Je jouais tranquillement dans mon serveur privé Tower of Hell et je tombe sur un mec bizarre qui a réussi à rejoindre. Hey! Comment es-tu venu sur mon serveur privé? Es-tu heureux? Oui, peut-être. Tu m'as payé pour ce mensonge. Nounours. Nounours? Tiens, j'en ai un dans ma chambre. Je vais aller l'ouvrir pour aller voir au cas où. Hop, je vais le poser là-bas. Je pense que ça va être bien. Hop, j'ai l'impression de voir quelque chose. Mais c'est quoi ça? Ah, quelqu'un m'appelle? J'arrive. Oh, ça doit être un vieux zigoto. Vaut mieux pas que je m'en fasse. Allez, moi je vais dormir. Où es-tu? Hein, c'était quoi ça? Faut que je trouve une cachette. Doucement. Il faut pas qu'il me trouve. Vite, vite, vite. Hop. Je crois qu'il faut que j'appelle la police. J'ai pas le temps. Non, finalement. Où es-tu? Je vais te trouver. Tchou. Ah, je sais où tu es. Bougaboum. Vite, vite, faut que je parte avant qu'il me retrouve. J'ai entendu du bruit extrêmement fort ici. Je vais aller voir. Il y a peut-être quelque chose, je vais aller voir en haut. Oh monsieur, ça va bien? Eh, répondez-moi. Oui, vous inquiétez pas, emmenez-moi à l'hôpital. Ne vous inquiétez pas, on est la meilleure hôpital. Vous inquiétez pas, allez, on y va. Vous emmener quelque part, vous pourrez vous reposer et on vous emmènera un docteur. Ne vous inquiétez pas, vous allez bien aimer, j'en suis sûr. On va vous emmener un docteur qui va pouvoir vous piquer et vous endormir. Ah, où je suis? Ah. C'est moi, je vais t'endormir. Je vais t'endormir. Ah, t'es évanoui. Maintenant, je vais t'emmener au toit. On va voir si tu vas faire le malin. Je vais t'expliquer quelque chose. Hein, quoi? T'es malade? Tu veux me jeter? Non, pas forcément. Je voudrais que tu m'aides, mais d'abord, prends quelque chose. Hein, quoi? Ça, c'était le truc qui était dans le nounours. C'est la caméra. C'est pas une caméra. C'est quelque chose pour te localiser. Et au cas où, si tu manges, je saurai où t'es. Et je réglerai ton cas. Et une mission pour toi, c'est de tuer ton meilleur ami. T'es malade? Je ne fais pas, je te jette. T'as compris? Maintenant, va. Oh non, je suis vraiment obligé de faire ça. Bon, je vais aller le faire. Yo, mon meilleur ami. Oh, coucou mec, ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. Ah, t'as toujours la voix de fille? Bon, viens, j'ai une surprise pour toi. OMG, merci mec, mais j'en ai marre de cette voix de fille. J'espère que tu vas aimer mec, parce que voilà. Et sauf que je vais aimer, tous les cadeaux de mon meilleur ami sont incroyables. Qu'est-ce qu'on fout là? C'est un endroit un peu bizarre quand même, hein. T'es sûr que c'est pas un piège? Non, t'inquiète pas, hein. C'est pas un piège du tout, hein. T'inquiète pas. Viens, je vais te la montrer. Ta surprise, c'est ça. Tiens. Désolé, meilleur ami. J'étais obligé. Mais je connais pas tout ça. Où je pourrais bien le cacher? Je vais aller le cacher là-bas. Et puis voilà. Hop. What? Trop bizarre qu'il veut que j'y aille à l'aéroport, mais vas-y, tranquille. Hop là, allez, hop. Assieds-toi à côté, s'il te plaît. Je
réveille-toi, on va devoir sauter, j'en ai marre. T'es sérieux là? J'ai peur de la parachute. Mais pas en parachute, en chute libre. Quoi? T'inquiète, c'était une blague, l'avion il a pas encore décollé. Ah, tu m'as fait peur. Un beau truc à te montrer, tu veux aller voir? Allez, attends, je vais bien voir, mec. Je te jure, regarde bien.